J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'une nouvelle compagnie. Pareil, ils m'ont contacté. Et vous savez, quand c'est comme ça, on refuse pas, quoi. Voilà, maintenant, je pars du principe que les partenariats, je les accepte. Tout ce qu'il soit, je prendrai. Parce que, en plus, ça, c'est une nouvelle compagnie. C'est des accessoires et je sais que c'est utilisé par beaucoup d'entre vous. Donc voilà, bref, j'ai dit oui. Donc la compagnie, c'est Colorful Dye. C'est tout nouveau. Bah, pour moi, je ne connaissais pas. Et donc j'ai choisi deux articles. Déjà, par avance, merci à vous, à Colorful Dye, de me faire confiance. Alors. Premier article, je mets des lunettes, donc accessoires, lunettes de vue, et oui, on est sur une pochette à lunettes, donc une boîte à lunettes, hein, ou n'importe, voilà, et j'ai trouvé que ce thème avec l'oiseau, c'était super joli. Donc on va regarder ensemble, je ne l'ai pas ouvert, et c'est parti. Voilà, ok, donc bien protégé et ça colle super bien, l'image est plutôt sympa, donc faudra voir une fois diamanté, mais je pense que ça peut le faire. Et alors on l'ouvre, cherchons, ça doit être comme ça je pense, voilà, oui c'est aimanté, ok, donc c'est parti, dedans il y a les accessoires, donc tout le kit de base, hein, tout ce qu'il faut pour faire. Ensuite, les petits diamants strass qui sont en sachet zip, plutôt sympa. J'ai pas de diamants, alors que je regarde, si, il y a quand même des gros diamants strass, diamants un peu spéciaux. Non, c'est plutôt sympa. Alors, on va essayer. Je vais vous chercher mes lunettes. Voilà. Hop. Donc, lunettes. Et voilà. Parfait. Sublime. Donc, ça rentre bien. Comme ça, au moins, ils ne traînent pas sur mon bureau. Après... comme ça, même dans votre sac à main ou en balade, ça tient, il n'y a pas de souci, vous pouvez voir. Donc ça, c'est plutôt top. De bonne qualité, donc je ne dis pas que c'est du cuir, hein, c'est plutôt du simili-cuir. Mais très belle finition, très très jolie, le rendu est vraiment sympa et en plus diamanté par vos soins, donc c'est plutôt top. On est d'accord. Donc c'est à faire prochainement. Je vous le ferai en vlog ou carrément en deuxième vidéo pour eux. Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est le premier accessoire. Nous allons regarder ensemble le deuxième accessoire. Alors, à la maison... Tout le monde a des tablettes. Des tablettes grandes, petites, moyennes, machin. Voilà. Et alors je vais essayer. Hein. Je ne dis pas que j'ai pris la bonne mesure et tout. Mais je me suis dit, bon, moi j'ai une tablette et j'ai une pochette, une protection. Et j'en prends soin. Mais par contre, ma fille, la pochette, elle est dans un état, elle est HS. Donc on va regarder ensemble. Alors
soit je lui donne la mienne et je garde celle-là, on va voir. Donc ça, c'est les diamants. Et hop, ça, c'est le toolkit. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est parti. Alors, je pense que je donnerai à Kenza, parce qu'elle les attraperait, c'est toute sa vie. Donc on peut constater, c'est à diamanter. Donc on va juste voir, donc super bien protégé. Et de, alors là, pareil, c'est de très très bonne qualité. Vraiment, hein. Vraiment, là, on a du matériel, donc c'est plutôt bien. Je suis vraiment ravi. Est-ce que... Ouais, non, ça colle parfaitement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pareil, c'est ça à faire en vidéo avec vous. J'aime bien vous montrer ces trucs-là. Alors, vous voyez, les strass, ils sont super brillants. Donc, j'ai... Bon, ça, c'est à mettre en petit sachet zip ou en petite boîte pour faire la préparation. Alors, tout le kit... pas de base parce qu'ils ont rajouté une petite pince. Bon, je vous avoue, c'est une pince en plastique que j'utiliserai pas parce qu'on se fait plutôt voilà, on s'embête avec, je vais pas dire un gros mot, mais voilà. Mais vous avez tout pour diamanter. Donc je garde les pancoles maintenant parce que j'en ai besoin quand je fais justement ce genre de d'accessoires. Mais c'est plutôt sympa. Alors, on va tester en direct. Hop, donc ouais, surface très très bien. Donc j'ai ma tablette ici, oui, et non, ça va pas. Ouais, c'est dommage, elle est trop grande. Donc quel dommage. Après, moi je peux éventuellement la garder et donner l'autre à ma fille parce que moi j'en prends soin quoi. J'en prends soin, donc du coup, elle me servira quand même pour protéger contre la poussière et tout. Bon, c'est dommage, je vous avouerai. Je crois que c'est l'iPad. Moi, j'ai la version, l'ancienne version, et je crois que c'est l'iPad, la dernière génération, où il irait parfaitement dedans. Bon, c'est dommage parce qu'en plus, on peut le mettre comme ça. Ouais. Donc, je croyais que, mais non. C'est un vieil iPad déjà, moi je voilà, il me fonctionne très bien chez moi et ma fille a le même. Donc par contre la pochette, l'ancienne pochette, je lui donnerai et puis moi je garderai celle-là quoi. Voilà. Mais en tout cas, alors c'est pas leur faute, hein. C'est moi qui croyais que ça irait. Donc rien à voir avec la compagnie. Mais par contre, ils ont des DPE aussi. La prochaine fois, s'ils sont ravis de ma vidéo, ben, s'ils veulent poursuivre avec moi, je vous montrerai. Ils ont des jolis DPE, ils ont du choix. Le site est propre, il est vraiment bien configuré. On voit que c'est une bonne compagnie. Donc pareil, je pense j'espère que je continuerai avec eux. Donc je pense que je vous ferai une deuxième vidéo, oui, je vous ferai une deuxième vidéo sur ces accessoires. Et puis en même temps, on regardera ensemble si c'est valable ou pas. Et comme ça, après, voilà. Mais c'est une bonne idée de ce que je vais faire. Je vais faire une petite vidéo à part encore. Donc, alors en termes de prix, on est encore correct. Hein. Alors, pareil, on pourra regarder ensemble. Mais on est vraiment correct, très très correct en termes de prix. Tiens d'ailleurs, je me dis je peux caler avec ça la tablette dedans, comme ça elle serait bloquée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais tester avec vous. Après, comme dit, moi, je fais attention. Donc, mais par contre, je la donnerai pas à, cette pochette, je la donnerai pas à Kenza parce que, comme elle la manipule dans tous les sens, elle aura l'autre, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est bon. Après, j'aurais dû regarder, mais on va voir si je peux caler comme ça. Alors, je sais, c'est du MacGyver, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, là, bon. Ça bougera plus dans tous les sens déjà et de toute façon quand moi j'utilise j'utilise pas n'importe comment, donc ouais, bon, ça tiendra mieux que quoi.
quoique il est en train de se relever. Alors, je vais essayer de la caler. Je fais un peu n'importe quoi, mais j'essaye en même temps. Hop. Voilà. Bon. Écoutez, hein, ça ira comme ça pour moi, c'est très bien. Après, je l'utilise pas non plus tous les jours la tablette. D'ailleurs, il faut que je la nettoie parce qu'il y a plein de traces de doigts. Voilà. Et je ne mets pas de protection dessus parce que j'aime pas les tablettes. Après, généralement, quand je me déplace, je prends mon ordinateur avec la tablette reste à la maison. Parce que je fais plus de choses avec un ordi que la tablette. La tablette, c'est juste pour regarder genre TikTok ou des trucs vite fait, quoi, des sites vite fait. Voilà. Bah écoutez, on diamantera ensemble ces deux accessoires. Et puis on regardera ensemble hein, si ça vaut le coup ou pas. Quoi. Voilà, et je vous dirai exactement les prix aussi. Donc suivez bien, vous aurez une prochaine vidéo avec ces accessoires. En attendant, bah, merci d'avoir regardé cette magnifique vidéo de cette belle compagnie. Je vous dis prenez soin de vous, à bientôt, salut !